Bonjour les amis, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison de l'été et on va faire le radar Océano Azul. Vous devez faire 273,6 km/h avec une Nissan GT-R de 97 réglée en maximum à 800. Comme voiture, j'ai choisi la Nissan Skyline GT-R V-Spec de 1997. Si vous n'avez pas la voiture, vous pouvez la gagner. Vous faites le championnat saisonnier niveau supérieur et vous recevrez la voiture en récompense. Donc pas besoin de l'acheter si vous ne l'avez pas. Il suffit de faire le championnat saisonnier. Et j'ai choisi le réglage suivant, PR Stunts slash Road et le code 1, 4, 3, 4, 2, 1, 5. 8, 9, 1, 4, 3, 4, 2, 1, 5, 8, 9. Partez d'ici, juste au-dessus du petit truc rouge ici. Pour là-bas, allez faire vos 273,6 km/h. Le truc, c'est de jamais freiner et faites gaffe au trafic. Si vous touchez quelque chose, recommencez. Et c'est parti. Ne freinez jamais, ça passe sans freiner. Faites simplement attention aux voitures qui sont vraiment dans le chemin. Ici, ne freinez pas, prenez bien la corde. Puis déportez-vous sur l'autre côté ici. Et là, de nouveau, prenez bien la corde, comme ceci. Et maintenant, à fond, à fond, à fond, à fond. Ne roulez pas dans le talus. Et voilà, ça passe tranquille à l'aise. 277, c'est pas vraiment difficile. Si vous partez d'où je vous ai dit et que vous ne freinez jamais, que vous prenez bien les courbes, ça passe sans souci. Et voilà, Oceana Azul est terminé. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5.